c'est Jean-Philippe Vautier. Vautier pour moi. Ouais, tu te sens pas trop seul quand même. Ils ont Vautier, puis après. Ah oui. Je te sens pas seul. Non, ça va. Bon. Alors dis-moi, Jean-Philippe, tu fais de la chanson. Oui, de la chanson. C'est française. Française. Mais pourquoi tu fais ça? C'est en français. Alors qu'il n'y a rien à gagner, là. Il n'y a rien à gagner. Si, plein de choses à gagner. Plein de choses. Quoi donc? On gagne. Pourquoi, pourquoi il faut gagner déjà? Ah, je sais pas. Quoi gagner? Gagner, perdre, tout ça. Mais c'est... pourquoi tu fais de la chanson? Voilà. Je vis. Je fais ma passion. Je parte. Oui, j'écris, je réagis. Non, mais tu pourrais être carrossier. Ah ouais, non, mais c'était ce que je voulais faire. Maçon, ouais, plâtrier. C'était une vocation. De faire de la chanson? Ouais. Ah. Je voulais pas entendre parler d'autre chose. D'accord. Je voulais pas entendre parler d'autre chose. Grande dame de mon père, voilà. Mm-hmm. Et depuis quand tu fais ça, alors? 17 ans, j'ai ma première guitare, et puis ensuite... Non, mais ça, tu me racontes à 20 ce qu'il y a dans, À 20 ans, je commence à faire les premiers concerts dans les bistrots de ma ville natale, Épinal. Épinal, oui. Ah, l'année suivante, j'achète un camion avec le frangin, puis un copain, et puis on fait le tour des bistrots, mais de France. Voilà, et ensuite... commence à faire des salles et puis enregistrer des albums, voilà. pris dans le tourbillon de la... Et tu vis que de ça ou tu as le RSA ou un machin? Ah non, monsieur, je... Par contre, là-dessus, c'est que on m'a bien enseigné depuis toujours qu'il fallait se bagarrer, qu'il fallait se battre, quoi. Donc, voilà, j'ai toujours trimé pour gagner ma vie, quoi. Mais tu vis que de ça? Ouais. T'as pas un métier à côté, quoi? Tu n'es pas instituteur ou professeur d'anglais? Non, quand je te parle de vocation, c'est voilà, faire ça, uniquement ça. Et voilà. Bon. Donc, j'en conclus que la galère te plaît, quoi. Moi, quelle galère, non? La galère, elle est dans les esprits. Mm-hmm. C'est, galère, elle est dans la bouche de celui qui la prononce. Mais j'ai jamais eu la sensation de galérer. J'ai la sensation de m'épanouir. C'est bien. De réussir ma vie. C'est bien. Et donc, si tu avais un message à dire à l'humanité entière, parce que tu sais que... Oh là. Cette vidéo va apparaître partout, même au Japon, en Amérique, en Australie... Est-ce que tu as quelque chose à dire à tes frères humains, si tant est que les humains soient tes frères? Moi, j'ai envie de leur faire partager ma foi, mon espoir en tout cas, et je leur dirais qu'il faut qu'ils arrêtent de se faire autant de mal que ça, et ça va bien se passer, quoi. Voilà, ça va bien se passer. Ah bah oui, c'est une belle parole, oui. Ben voilà. Ne t'inquiète pas, tout va aller. Ouais. Hein? Ben voilà. Donc c'est ça ton message? Ouais. Et puis, je dirais à certains de tenir bon encore. De tenir bon. De tenir bon. Très bien. Encore un petit peu. Ouais. Un petit peu. D'accord. Eh bien écoute, Jean-Philippe, j'espère que ta route sera jalonnée de succès. Tu le mérites, je pense. Bon vent. On récolte ce qu'on sème. Oui, non, mais on sème. On sème. Bah oui, on sème. C'est la base. C'est la merveilleuse langue française. Voilà, ben, je te remercie d'être venu et d'avoir fait cette petite interview. Ben, merci de m'avoir reçu. Débridé. Dans ce beau lieu. Ciao, ciao. Bye.